Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 1er septembre 2024. Donc les mois d'été sont derrière. Ça y est, juillet, août sont passés. En espérant que vous avez passé un bel été et que vous avez profité hein, de cette période estivale. Parce que dès demain, dès lundi 2 septembre, nous voilà dans le système de la rentrée. Donc avec tout le barouf qui l'accompagne, les enfants, l'école, le train-train en fait, le petit quotidien. Donc on va regarder, j'en profite, on va regarder le choix, le résultat du choix du président Macron en place concernant le Premier ministre, puisqu'il nous faut un Premier ministre, hein, plus de 40 jours où la France, en fait, est en, on va dire, en état statique, hein, on s'occupe des petites choses, des petites affaires courantes, mais 40 jours pour un pays qui est au seuil du gouffre financier, qui est au seuil de basculer en fait sous une mise sur une mise sous tutelle de la part de l'Union européenne. Je pense que 40 jours là, vraiment, on a dépassé un petit peu de loin le raisonnable des choses. Donc il faut un Premier ministre. Alors on ne va pas s'intéresser au parti dont il sera issu, on va s'intéresser en fait à ce qu'il va générer, le choix du président Macron, du Premier ministre, et regarder un petit peu si on va réussir au niveau de cette Assemblée nationale, au niveau des lois, au niveau des textes, au niveau du travail en fait qu'ils doivent exécuter, si on va avoir une coalition ou absolument pas, le clivage, tout ce qui tourne autour. Donc on va rester dans la neutralité. On va demander à l'invisible de nous montrer effectivement le concret de la nomination par le choix du président Macron de ce Premier ministre. Regardez de manière factuelle ce qu'il y a décrit, l'énergie, l'opposition ou pas autour de ça. Alors, je me concentre et je leur demande de nous montrer ce qu'il en est. Alors, donc très très discuté le choix, hein, l'opposition, les oiseaux de la discorde, inévitablement. Et en face, vous voyez, c'est à la fois la validation et le désamour, mais quoi qu'il arrive, on a les oiseaux de les corbeaux en fait, hein, de l'opposition qui sont là. Donc je pense que c'est pas un ministre qui va remporter en fait un suffrage universel au niveau des députés. Donc il faut s'attendre à pas mal de fantaisie. Donc on va regarder la valeur et la hauteur de ce qui est annoncé. De toute façon, c'est un choix très très difficile du fait que le parti en place n'est pas la majorité, elle est plus que relative, elle est relative, pas plus que relative, elle est relative, donc de toute façon, on aura les oppositions d'extrême, inévitablement, qui seront dans leur rôle politique de s'opposer en fait, hein, inévitablement, et puis après on a la demande de la gauche, le rassemblement des gauches qui exige en fait un ministre issu de leur histoire politique. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors la première carte, la proposition, ça y est, elle tombe, ça c'est la providence, donc ça y est, le nom est annoncé incessamment sous peu, et on voit qu'on a la carte des passions. Alors vous voyez, donc c'est loin, 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 loin de là en fait, un nom qui fera l'unanimité, les ciseaux étant posés tout de suite à la nomination de ce Premier ministre. Et inévitablement, ouais, il y a toute une famille politique en fait, dans laquelle les foudres vont se déclencher. Toute une famille politique qui passe au niveau de la passion, c'est-à-dire une hystérisation des choses probablement, et on voit que le clivage est déjà lancé, donc le nom ne fera pas l'unanimité, donc je pense que la ligne va se découper en deux. On regarde, alors ça c'est l'Assemblée, vous voyez par la nomination en fait, hein, du président en place, du Premier ministre, par le président, pardon, on voit qu'au niveau de l'Assemblée, la famille de l'Assemblée, la table ici, ça va provoquer une distension assez terrible, voire une opposition qui sera très vive et qui va s'exprimer. Donc on a les blocages, inévitablement, donc on est loin de retrouver cette situation qui n'est plus depuis très longtemps, hein, depuis la réélection de Macron. On voit que cette sérénité, le blocage, on est loin de retrouver quelque chose d'apaisé sur le plan politique à partir de septembre. Ça, c'est une certitude. On va aller un petit peu plus loin. Je suis curieux de voir la réussite. Si l'aigle sort là, en fait, c'est que ce sera une espèce de, comment dirais-je, de validation, d'une connivence avec le président en place, un choix qui lui sera totalement à son avantage. On va regarder si l'aigle sort de ce côté-là sur les quatre premières.
en deuxième ligne ou troisième ligne. Alors, sur la proposition, voyez, c'est un coup de tonnerre. Donc, je pense que le nom qui va sortir du chapeau est un nom auquel les députés, auquel les électeurs n'attendent pas spécialement du fait qu'on ait la foudre à travers la proposition. Alors, sur les passions, ah oui, le trafic. Donc, ça va être très, très passionné à l'Assemblée, hein, à l'Assemblée nationale. Très, très vif et très, très passionné. Ah. On ne pourra pas recommencer les choses, vous voyez, le nouveau départ au sens symbolique est coupé par les ciseaux. Je pense que cette annonce et ce choix qui est à l'avantage, comment dirais-je, du parti en place, hein, évidemment, en sortant, mais du parti en place, ne fera pas l'unanimité. Ça, c'est une évidence. Et vous voyez, on a en fait une partie politique. De groupes politiques, probablement gauche, extrême et extrême droite, qui seront contraints à ce choix, qui n'accepteront absolument pas. On a ces familles politiques au pluriel qui sont pieds et poings liés devant la nomination. Donc ça va être une nomination profondément stratégique, en fait, hein, profondément calculée en faveur d'eux, inévitablement. On va voir un tout petit peu plus loin, et on a l'aigle qui sort sur les trois premières. Donc je pense que c'est un choix intelligent, entre guillemets, dans l'idée, en fait, comment dirais-je, pour le président en place, c'est presque un choix de connivence avec l'autre personne, un choix qui lui est totalement bénéfique à 100%, du fait que l'aigle soit sorti là, donc inévitablement. Alors ça va swinguer quand même, hein, je pense, hein, dès la rentrée. C'est bien parce que c'est imminent, l'annonce est imminente en fait. Hein. Et on a ce Premier ministre qui apparaît là, donc présidence, Premier ministre nouveau. Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment un choix d'une profondeur stratégique que je trouve intelligent, ce choix-là, pour quelqu'un qui est en grande difficulté, qui va trouver en fait un nom, quelque chose, un personnage qui sera à la hauteur en fait de sa politique, hein, du parti en place. Alors, pour les pros, Macron, super. Pour les anti, Macron, catastrophique. Mais on voit que c'est un choix très, très intelligent. On revient ici. Alors, ça va être très, très compliqué. Le fait que, vous voyez, ça, c'est peut-être l'extension, le papier, l'élection, le choix. Mais on voit qu'au niveau des lois, sur la famille de l'Assemblée, il va se passer des choses très, très compliquées. Très, très compliquées. On va parler d'opposition. Hein. Vous voyez, on aura l'opposition ici dans la prison, c'est-à-dire dans un enfermement, un rejet, une position, en fait, de vraiment, vraiment très, très forte, très marquée des familles de l'opposition ici. Donc, ça va démontrer que l'Assemblée va rester, malgré l'élection d'un Premier ministre, l'Assemblée va rester dans un clivage profond. Comme ça fait 2 ans à peu près qu'on assiste en fait à un grand cirque assez affligeant au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, on va grimper à un autre niveau dans cette espèce de démonstration politique un peu grotesque, hein, du comportement politique, hein, au niveau de l'Assemblée. Et là, on va probablement grimper à un autre niveau, voyez, avec ces annonces. Alors, il y a vraiment, je pense, qu'il va se reformer, même si la gauche est en pleine déchirure, hein, les communistes, les écolos, l'extrême gauche et la gauche traditionnelle. On voit qu'il y aura quand même l'ensemble, vous voyez, de l'opposition, puisqu'il sera question d'union, malgré l'éclatement, les divergences, hein, auxquelles on assiste, assez affligeantes aussi ces divergences, mais on voit qu'il y a quand même une union, un bloc en face de ce Premier ministre et en face de la présidence qui est là, inévitablement. Alors c'est vraiment, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un auquel les journalistes n'ont pas évoqué de nom, quelqu'un auquel les opposants n'ont pas pensé. Je pense qu'il y a vraiment de la stupeur au niveau de la nomination de la personne. Alors ça, je pense que ce n'est pas quelqu'un de frais, quelqu'un de nouveau, du fait qu'on ait l'âge ici sur le hibou, probablement soit de l'âge, hein, mais probablement quand même un chemin, une histoire administrato-politique derrière, une forme d'expérience, je pense. Donc on n'a pas affaire à quelqu'un de neuf, hein, parce qu'en ce moment c'était tendance avec Gabriel Attal, Jordan Bardella, d'avoir de la jeunesse. Là on a affaire plutôt à quelqu'un d'expérience ici. Alors la tour, c'est un atout, une valeur ajoutée pour le parti en place assez exceptionnelle, hein. Assez exceptionnelle cette élection, d'où cette idée en fait de choix très judicieux, intelligent.
auquel on ne s'attend pas, probablement. Alors, sur le papier, donc, il semblerait qu'on soit sur une entité masculine. Donc, on va regarder si le féminin sort ou pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous voyez, là, on passe sur la deuxième étape. On a le papier, c'est la validation, hein, le barouf administratif de la nomination, la reconnaissance de ce Premier ministre. Et on voit que cette reconnaissance va provoquer la chauve-souris. Et on a ici la fin. Donc, on a la femme, on ne nous dira pas quelle valeur, de quelle valeur est on va dire, de quelle nature, en fait, homme ou femme, est ce Premier ministre. Les deux sont collés, donc ils ne souhaitent pas nous le divulguer, donc très très bien, je respecte. En revanche, on voit que malheureusement, aïe aïe aïe, cette élection qui est à l'avantage de Macron, à l'avantage de son nouveau gouvernement qui sera formé avec ce Premier ministre-là, c'est stratégique, mais au désavantage des oppositions. Et là, ça va vraiment. Il manque plus que le chat noir ici, là au milieu, et puis la boucle est bouclée. Je pense que septembre, octobre vont être des mois très, très compliqués. Très, très compliqués pour vous en France. Alors, on voit qu'effectivement, la notion, le travail de ce Premier ministre sera, voilà. Ça, c'est l'officialisation. Vous voyez, on a la carte de l'État. C'est vraiment le rôle du Premier ministre. Difficile, très, très difficile. Je pense que pour moi, ça va être une nomination de moyenne durée. Je ne vois pas rester cette personne ici tant l'opposition sera dans une violence, un rôle, vous voyez, de ne pas voter, de ne pas rallier, de ne pas aller vers les textes en fait proposés par le gouvernement. Je pense que la motion de censure sera presque régulièrement utilisée de par ces oppositions, puisqu'on voit qu'il y a un bloc qui se reforme vis-à-vis de la présidence. Inévitablement, vous voyez ce qui apparaît sur ce personnage, Premier ministre, la grande stérilité. À tous les niveaux, hein. Je pense que c'est un homme qui sera dans l'entrave, hein, vraiment, pour travailler. Il n'arrivera pas à faire voter quasiment quoi que ce soit au niveau des textes. Et vous voyez, cet homme va déclencher vraiment l'opposition. On a les deux coqs, inévitablement. Alors, je vais un petit peu plus loin. Le budget, hein, vous voyez, là, ici, on a tout ce qui touche la valeur professionnelle, travail, les fonctionnements de l'État. Donc ça, ce sont les budgets, parce qu'on emprunte des milliards et des milliards d'euros annuellement pour la fonction publique, pour l'éducation nationale, pour le militariat. Et on voit que là, pour la première fois depuis très très longtemps, hein, la valeur budgétaire sera remise en opposition, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune validation des oppositions sur les budgets préparés par le gouvernement en place. Alors ça pose un réel problème. Alors, incroyable. On va un tout petit peu plus loin. Donc le malheur des uns, le bonheur des autres, mais vous pouvez être garanti que l'opposition ici va faire son travail, le chat noir est là. Là on a une femme hein, de pouvoir, probablement au niveau de l'extrême, hein, je pense qu'il va se passer des choses, on va beaucoup parler du Rassemblement National dans les semaines qui viennent, mais on voit que le bloc est tellement constitué, hein, on a l'universalité, c'est-à-dire la quantité, on a ici les individus par la pensée amitié, et on voit qu'ils se retranchent vraiment dans une forme d'union, alors union, comment dirais-je, de façade évidemment, mais une union contre ici l'élection de ce Premier ministre et inévitablement contre la présidence en place. Ici, au niveau de la popularité, on n'a que des cartes très très compliquées, hein, les deux cœurs, les oiseaux de la discorde, la dualité, la chauve-souris. Donc vous allez rentrer dans un cycle, hein, là, bientôt, par la première carte, l'annonce qui est ici, qui est imminente, là, dans ces jours qui viennent, vous allez rentrer dans un cycle de vraiment profonde désunion, profonde. Vous voyez, ça va revenir au même qu'il n'y ait pas de Premier ministre, parce que les oppositions sont d'une telle force contre le choix du président Macron qu'inévitablement, c'est l'inertie. Ce sera en fait la stagnation, l'inertie au niveau de l'Assemblée nationale. Et tout ce qui va être proposé, inévitablement sera refusé à 90% par les partis d'opposition. Donc on reste coincé dans une situation de grande complexité qui n'est pas inédite, mais qui va devenir inédite tant par l'opposition qui ne demandera pas d'un iota de toute façon, qui restera
coincé mordicus dans l'idée d'être opposant, en fait, tout simplement. Et ici, cette idée toujours présidentielle d'imposition de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite. Donc, on a affaire à un lien fossé entre les deux qui est très marqué. On a affaire à une situation en devenir d'une grande complexité, mais je reste intimement convaincu de toute façon que cette élection, la providence de ce ministre-là, qui apparaît là, n'est que de courte ou de moyenne durée. Il y aura d'autres choses. On va prendre, on va tester, ça marche pas. Il y aura l'idée, ben voilà, ça marche pas, on remplace. On prend, on teste, ça marche pas, on remplace. Il y a l'idée, ça va durer comme ça jusqu'en 2027, hein, inévitablement. Et vous verrez que probablement, janvier ou février 25, redissolution, et on redemandera en français de se reprononcer dans les urnes. Mais là, de ce que moi je constate, beaucoup d'électeurs se sont sentis profondément trahis d'avoir voté pour des extrêmes et que les extrêmes n'aient aucun pouvoir, en fait, hormis des sièges, aucun pouvoir concret sur la valeur de l'État. Je ne sais pas si à la prochaine dissolution, l'électeur sera en rendez-vous parce que la déception est palpable, elle est très très vive. Et la carte qui n'est pas sortie, une carte très révélatrice, c'est le bateau. Le bateau étant un manque de visibilité totale, nous naviguons en eau trouble et le bateau va symboliser les semaines et les mois politiques qui viennent. Aucune visibilité et un bateau qui est, vous voyez, l'idée d'une tempête. Donc la France, toujours, la France politique est au cœur d'une tempête et va le rester, inévitablement. Alors visiblement, la première valeur, elle serait masculine, mais je ne peux pas déterminer avec certitude hein, au niveau du sexe du Premier ministre. Mais vous allez voir, c'est un choix très stratégique hein, pour le président Macron qui aura ses conséquences. Donc pas de politique en France qui tienne la route, inévitablement, donc des semaines encore d'une très grande complexité où le regard en fait international envers nous, puisqu'on a fini ces Jeux Olympiques, on a les Paralympiques, mais qui rencontrent toujours, hein, malheureusement, qui ne rencontrent pas la ferveur des Jeux Olympiques. Une fois que cette période sera close, le regard international envers nous se noircit de plus en plus hein, par rapport à cette énorme discorde. J'ai beaucoup de consultations avec des expatriés à l'étranger et ce qu'ils entendent hein, sur la France, ce que la presse écrit, ce que les résidents étrangers racontent, est assez terrible en fait hein, pour l'image de la France. On parle beaucoup d'un pays décadent, en grande décadence depuis quelques années. Donc vous voyez, je pense que de toute façon, c'est l'énergie un petit peu normale. Hein. La population se transforme dans le comportement. On a des politiques qui se transforment dans le comportement. Donc, inévitablement, il y a un peu le jeu des miroirs à travers tout ça. Mais préparez-vous à ne pas avoir de gouvernance dans la normalité, quoi qu'il arrive. Là, l'élément phare, la providence, l'annonce du Premier ministre, ça ne changera rien, malheureusement, bien au contraire, ça ne fera qu'empirer les choses. Donc voilà pour la première approche, donc je vais guetter en fait les infos et l'annonce du choix de Macron au niveau ministériel, le Premier ministre. Et vous allez voir qu'il doit constituer un gouvernement, et ce ministre-là va constituer un gouvernement de clivage, c'est une certitude. Dans tous les cas, bon courage pour ceux qui reprennent le travail demain, bon courage pour les parents qui vont reprendre la voiture, déposer les enfants à l'école, et le petit train-train habituel, mais qui a du bon malgré tout. Le train-train est toujours une source d'équilibre également. Dans tous les cas, je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis avec grand plaisir à dimanche prochain. Prenez bien soin de vous.